Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, nous allons parler dans cette vidéo, comme vous le savez très bien, de la force de la communauté Shiba pour le projet Bone. Mais quelle est cette pression que la communauté Shiba veut faire et où? Et pourquoi elle veut faire ça pour la monnaie Bone? Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. Donc, nous allons détailler beaucoup de choses. Nous allons parler de Bone, nous allons parler de Shiba, nous allons parler du fondateur de Uniswap qui nous met des messages d'alerte. Nous allons parler de crypto.com. Nous allons parler de PayPal. Nous allons parler de Binance et de bien d'autres informations importantes. Alors donc, si tu veux avoir toutes ces informations, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes ces informations importantes et capitales. Je dis importantes et capitales parce que plusieurs personnes aujourd'hui cherchent la bonne information mais ne savent pas où la trouver. Ici, tu es servi. Nous sommes en train de voir en ce moment le Bitcoin. Le Bitcoin à combien? Le Bitcoin à 37 000 $. Mes frères et sœurs, 37 000 $. Le Bitcoin se prépare à quelque chose. Mais à quoi concrètement? Comme vous le savez, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Parce qu'avec le Bitcoin, tout est possible. J'ai dit, tout est possible. Donc, ceux qui pensent que c'est impossible parce que c'est le Bitcoin. Non, 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 non. Le Bitcoin n'a pas d'amis. Attention. Je répète. Le Bitcoin n'a pas d'amis. Si tu veux t'amuser avec le Bitcoin, tu vas te brûler les ailes. Donc, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Alors, on va commencer avec cette information. Et attention, mes frères et sœurs. Semblerait-il qu'on a invité Crypto.com, qui ne connaît pas l'échangeur Crypto.com, à rejoindre le Forum mondial de l'économie. Oui, nous avons vu qu'il y avait de cela quelques temps, c'était Shiba. Qui a été invité? Qui se rappelle? Shiba a été invité à ce forum-là. Et maintenant, on appelle Crypto.com à se joindre à ce forum de l'économie. Enfin de quoi? Enfin de voir clair dans cette affaire. Comme vous le voyez très bien, ce n'est pas encore clair l'affaire pour les dirigeants. Donc, ils veulent voir clair. Et ils appellent ceux qu'ils veulent. Pourquoi n'ont pas appelé Binance? Parce que Binance est le premier échangeur qui, aujourd'hui, mouvemente beaucoup. Pourquoi n'ont pas appelé Coinbase? Pourquoi ils vont appeler Crypto.com? Les gars, c'est une question de relation. Sûrement, c'est une question de relation. C'est-à-dire, tout se joue sur le marketing. Tout se joue sur le marketing. Donc, s'ils invitent Crypto.com, ça veut dire la monnaie Chrome de Crypto.com a pris de la valeur récemment. Peut-être c'est à cause de cela. Donc, les spéculateurs ont commencé par spéculer. Ah oui, Crypto.com va donner, je ne sais pas moi, va parler là-bas, va faire ça. Donc, tout cela, ça pousse, ça porte à croire que Crypto.com un poids, certes, elle a un poids dans l'écosystème, mais plus que Binance et Coinbase, c'est la question que je me pose. Mais c'est bien que déjà le Forum mondial de l'économie, où il y a certains grands pays, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays, sont en train de vouloir mettre des réglementations afin de mieux réglementer l'écosystème de façon générale. C'est bien, mais comme je l'ai dit, le prix à payer serait élevé. Le prix que toi et moi nous allons payer serait élevé parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'abandonner la décentralisation vers la centralisation. La décentralisation est en train d'être oubliée carrément. Nous sommes en train de dire, nous sommes dans un monde rose. Non, les échangeurs sont en train juste de remplacer les banques au niveau des monnaies futures. Les banques aujourd'hui, au niveau, les banques traditionnelles que nous connaissons, nous aident à garder notre argent. Dans les banques, quand tu as un problème, alors qu'est-ce que la banque fait? Elle bloque simplement et purement ton compte. Alors, c'est la même façon que nous allons voir avec les échangeurs. Les échangeurs, quand tu as un problème avec un échangeur, c'est pourquoi dit, il ne faut pas penser que nous sommes dans la décentralisation, nous sommes dans l'anonymat, on ne sait pas qui je suis. Si tu utilises un échangeur, alors on demande lequel c'est. Alors, on sait qui tu es, on sait où tu vis peut-être. Attention. Donc, nous devons être très prudents, très vigilants. Très vigilants. C'est pourquoi je vais attaquer directement avec cette information-là. Ah oui. On dit simplement Binance, on dit Binance en quelque sorte, vide, voilà le mot, le vide, vide des millions de dollars, des millions de dollars en Bitcoin. Binance aujourd'hui mouvement ses Bitcoins de son hot wallet vers son cold wallet, son hot wallet. Les gars, c'est bizarre. Moi, je prends cette information quand on dit simplement que Binance a mouvementé. A mouvementé plus de 40 000. Elle avait en magasin 40 000 bitcoins et maintenant a mouvementé cela sur trois adresses. Et Binance a un total aujourd'hui de plus d'un demi million de bitcoins. Attention, Binance n'est pas aussi n'importe qui.
Binance a plus d'un demi-million de bitcoins à sa possession. Et presque. Et ça, nous sommes en train de voir que Binance se prépare à quelque chose. Attention. Binance se prépare à quelque chose qui pourrait arriver. C'est quelque chose, je n'ai pas la boule de cristal pour le dire, mais Binance se prépare à quelque chose. C'est quelque chose, préparons-nous. Nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train, qui est dans, je sais pas, qui est en train de faire la danse, une danse bizarre avec nous. Elle a toujours fait cela. Mais quand nous prenons le Bitcoin sur un an, il y avait un an, le Bitcoin était à 14 000, elle dit 16 000 $. 16 000 dollars. Aujourd'hui, ce même Bitcoin se retrouve à combien? 37 000 dollars. Donc, 20 000 dollars de plus en un an. 20 000 dollars de plus pour celui qui a acheté. C'est pourquoi il dit, il n'est jamais trop tard d'avoir le Bitcoin. Aujourd'hui, certains sont en train de dire que le Bitcoin est 37 000 dollars. Un beau jour, on viendra faire une vidéo. Le Bitcoin est à 60 000 dollars. Donc, si tu avais peut-être acheté 100 dollars de Bitcoin, tu auras fait simplement 1 × 2. Aujourd'hui, donc, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais que chacun soit conscient. Les gars, soit conscient. Alors, nous allons parler de Shiba d'abord et de la monnaie Bull. Alors, nous allons voir rapidement le prix de Shiba. Les gars, quelque chose, vous savez, Shiba aujourd'hui est en train de pomper. Voilà, les gens sont dans l'euphorie, D'accord? C'est bel et bien beau. C'est beau. C'est clair. On a déjà fait une vidéo tout à l'heure sur Shiba. Mais Shiba a, la force de Shiba, c'est sa communauté. La force de Shiba, c'est sa communauté. Et quand on parle de communauté, on parle pas d'une communauté qui a, en quelque sorte, qui investit 10 dollars, 20 dollars. Non. Des gens qui investissent des millions. Des milliers de dollars. C'est ça qu'on appelle une communauté. D'abord, la communauté, c'est tout le monde. Mais Shiba a une communauté d'investisseurs. Et cette communauté d'investisseurs est en train de faire une pression pas possible pour la monnaie Bull. Attention, aujourd'hui, nous sommes, je vais te dire quelle est cette pression-là, mais restez jusqu'à la fin pour découvrir. Nous sommes en train de voir la monnaie Bull qui est à combien? Qui est à, qui a fait un 7%, d'accord? Qui a fait 7% ici. Prenons l'exemple, Bull était à son 75 centavres, est revenu, a touché le fond à 67 et est reparti à 67. 71 plutôt, 71. Donc nous sommes en train de voir que quelque chose se prépare, les gars. Mais quelle est cette chose-là? Quelle est cette chose qui se prépare concrètement? C'est de ça que nous allons parler. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir. Alors, je tiens aussi à t'informer, toi mon frère, toi ma soeur, qui ne sait pas, nous avons notre cours qui est toujours disponible. Pour ceux qui veulent se former, avoir une bonne formation en crypto-monnaie, cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo pour avoir notre, remplir le formulaire et avoir accès à notre groupe VIP. On a un groupe fermé sur Telegram, les gars. Maintenant, cliquez pour gagner, va donner l'exclusivité à Telegram. Quand tu remplis ce formulaire-là, regarde dans ta boîte mail. Cliquez pour gagner 456, va t'envoyer un mail, d'accord? Regarde un participant, tu vas avoir un mail. Ou peut-être contacte-nous directement, je dis. Contacte-nous directement sur notre numéro, pas WhatsApp, maintenant Telegram, parce que le groupe Telegram, on veut donner le privilège à Telegram. Enregistre ces deux numéros-là qui seront en description de la vidéo. En dessous de chaque vidéo, ces deux numéros-là sont en dessous de la vidéo. Quels sont ces numéros-là? Pour avoir notre contact direct, le contact de notre équipe, c'est on dit contactez-nous sur Telegram. Ce n'est plus sur WhatsApp, sur Telegram. Donc enregistre ces numéros-là. Plus 228 97 04 48 07, ou plus 55, comme vous le voyez, 11 95 28 09 797. Ces deux numéros là, c'est des numéros où nous allons donner l'exclusivité à Telegram, uniquement Telegram. Enregistre ces numéros là et va sur ton, voilà, tes contacts Telegram, tu vas voir le logo de cliquer pour gagner. Enregistre d'abord ces numéros là, enregistre ces deux numéros là pour être informé, voir les statuts. Voir les informations en temps réel sur Telegram. L'exclusivité sur Telegram, parce que notre groupe VIP est sur Telegram. Notre groupe VIP est sur Telegram. Donc, ceux qui veulent adhérer, donc, c'est rapide. Vous enregistrez ces deux numéros-là que je viens de citer, qui sont les choses de la vidéo, et vous allez sur votre compte Telegram. Vous allez nous voir là-bas sur ces deux numéros avec le compte cliquez pour gagner, cliquez pour gagner. D'accord? Alors, je reviens rapidement. On nous dit ceci. PayPal, attention les gars, nous touchons le sur PayPal. PayPal qui a aujourd'hui les services
qui a reçu l'autorisation pour servir les clients au Royaume-Uni. Vous voyez comment le Royaume-Uni essaie de faire les choses. Tantôt, il dit Binance n'est pas en règle. Non, tel chef n'est pas en règle. Tel n'est pas en règle. Mais on voit que ceux qui sont amis avec elle, PayPal, hein, PayPal UK hein, Limited, hein, la société de PayPal au Royaume-Uni, elle a reçu l'autorisation de garder les crypto-monnaies. Mais c'est ce même PayPal qui avait suspendu temporairement hein, l'achat des crypto-monnaies, hein, je crois bien, au Royaume-Uni. Donc, vous voyez comment les régulateurs jouent avec nous. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils acceptent. Demain, ils viennent dire qu'ils n'acceptent pas. Et dans ce jeu de ping-pong, c'est l'investisseur mal formé, l'investisseur mal informé, parce que tu peux avoir la formation, hein, mais avoir la mauvaise information. Tu peux avoir hein, la bonne information, mais avoir la mauvaise formation. Donc, nous donnons tout cela dans notre formation. Pour ceux qui nous contacteront sur notre compte Telegram, pas WhatsApp, les gars. Telegram, parce que notre groupe VIP est sur Telegram. Et aujourd'hui, nous avons un chat voice exclusif. Tous ceux qui sont dans le groupe VIP, on va faire un chat voice où nous allons parler de certaines choses qui sont importantes pour te préparer psychologiquement dans le marché de la crypto-monnaie. Alors, avant de revenir sur la nouvelle hein, importante, hein, la pression de la communauté Shiba, on va parler rapidement de cette information-là avant d'aller directement droit au but. Nous sommes en train de voir que le projet Uniswap, on est en train de nous dire que le créateur de Uniswap nous dit simplement de faire attention, de ne pas croire à tout ce que nous voyons. Parce qu'il y a certaines personnes qui suivent certains comptes comme Zach, ISBT ou SETI. Hein? C'est des comptes souvent qui parlent des failles de sécurité sur des protocoles. Et il y a certains faux comptes qui ont été créés et qui sont en train de publier l'information comme quoi, comme Uniswap est en problème, Uniswap est en danger. Donc, il dit simplement, non, cliquez sur ce lien-là pour éviter ça. Si tu ne sais pas faire, tu vas perdre ton argent. Tu vas perdre ton argent. Déjà, il y a déjà plus de 2 millions de dollars qui ont déjà été perdus. Attention donc, vous devez faire très attention aux infos. C'est pourquoi nous avons notre groupe VIP où nous analysons rapidement, nous informons rapidement la communauté là-bas. Donc, tu vas avoir les bonnes informations, les bonnes analyses pour ne pas tomber dans les pièges. Contacte-nous sur notre numéro Telegram, les deux numéros qui se trouvent en description de la vidéo. Enregistre ces numéros-là et contacte-nous sur Telegram. Alors, contacte-nous en enregistrant le numéro. Si tu vas taper cliquer, tu vas tomber sur les arnaqueurs. Enregistre d'abord le numéro sur ton compte et tu vas nous trouver. Alors, quelle est la pression que, l'équipe de Shiba, le Shiba est en train de faire, la communauté Shiba. Les gars, la même pression que la communauté Shiba a fait pour être listée sur Robinhood, qui n'est pas n'importe quel échangeur hein, aux États-Unis, c'est cette même pression que la communauté est en train de faire pour lister la monnaie de guerre de Shiba, qui est le token de gouvernance, le bon. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir que il y a en quelque sorte hein, une pétition qui va passer, d'accord, pour lister, pour que Robinhood puisse lister Bon. Attention, ça veut dire simplement, aujourd'hui nous savons très bien que les échangeurs cherchent là où la communauté est solide et consolidée. Et quand ils trouvent cela, alors c'est quoi? C'est la bienvenue. Nous sommes en train de voir que hein, l'un des personnes qui fait le marketing, le responsable de marketing, voilà, de Shiba, hein, nous dit simplement que, allô, ils appellent, Robinhood, vous êtes où? Nous sommes ici. Ah, vous savez, nous avons encore une deuxième monnaie qui fait partie de la monnaie de la communauté qu'on appelle Bone, qui est la monnaie qui prend en charge l'écosystème, hein, notre écosystème layer 2 de notre blockchain. Et Bone dit, mais quelle est cette monnaie-là? Il dit, non, c'est le Bone. Robinhood dit, quelle est cette monnaie? Il dit, non, c'est le Bone. Alors, il dit, pro favor, il dit, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, considérez le listing de Bone. Pour dire simplement, aujourd'hui, nous sommes en train de voir déjà, quand nous allons rapidement sur le smart contract de Bone, nous allons voir ça rapidement ici. Oui, rapidement ici. Et vous allez voir quelque chose. Vous allez voir que Bone a seulement 250 millions en circulation. Avec hein, 91 holders et plus de 33 960 000 de total de transactions qui ont été faites. Et quand nous allons sur les adresses, nous voyons que Bone aujourd'hui hein, n'a pas d'adresse de burn,
c'est une adresse de gouvernance et nous voyons les quelques adresses qui détient une quantité 8%. Avant, c'était plus de 10%. Nous sommes en train de voir que plusieurs personnes, la quantité des grands détenteurs de bonnes commence par chuter. Donc imaginez-vous tout à l'heure, un échangeur comme Robinhood ou Binance, suite à la pression que le même Shiba a fait pour être listé sur ces échangeurs, fait cette même pression. Parce que ce que vous le voulez ou pas, Shiba aujourd'hui a une communauté de combien? Shiba aujourd'hui a une communauté de 2 millions d'utilisateurs. Attention, Shiba ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui. Shiba c'est 2 millions d'utilisateurs. Donc imaginez ce compte de Shiba commence par faire un marketing agressif sur la monnaie Bone pour que les listings puissent se faire. Les échangeurs vont courir comme des petits pains pour lister Bone. Donc les gars, nous attendons toujours. Quand c'est monté, comme nous sommes en train de voir, Bone est déjà arrivé à 3 dollars lors de son lancement, je crois bien, lors en 2021. Et nous avons vu que Bone est déjà listé sur quelques échangeurs depuis 2021 qui a été lancé. Elle est déjà sur OKX, Crypto.com, X Global, Get.io, BitJet, et etc. Et elle est en train d'accumuler un volume lentement et sûrement. Le volume de Bone est en train d'être accumulé. La capitalisation, pas trop, mais elle s'accumule aussi. Les gars, en fait, j'ai remarqué une chose. Notre communauté crypto, on attend. Quand ça commence par monter, c'est là que les gens vont acheter. Les gars, venez nous rejoindre. Nous avons notre formation qui pourra t'aider. Qui pourra t'aider à être un investisseur averti. Un investisseur qui serait rentable. Parce que aujourd'hui, tout le monde se dit investisseur, mais tout le monde n'est pas rentable. Alors, pour avoir cette rentabilité-là, contactez-nous sur notre numéro. Je dis bien notre numéro Telegram plus 55 11 95 28 09 787 97 ou sur Telegram encore plus 228 97 04 48 07. Enregistrez ce numéro sur votre téléphone. Allez dans votre compte Telegram, vous allez nous voir là-bas. Mes frères et soeurs, merci beaucoup. Et les membres VIP, on se dit à tout de suite dans notre groupe pour le chat voice qui serait houleux, qui va t'aider à être un bon investisseur. À la prochaine vidéo et ciao.